Bonjour et bienvenue. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on n'est pas dans le jardin d'Ecologia Nature, mais on est à la maison, au coin du feu, pour faire cette petite vidéo. Alors, vous savez qu'en permaculture, il n'y a pas que la notion de jardinage, mais c'est aussi une philosophie de vie. En permaculture, on ne se contente pas de cultiver son jardin, mais on cultive aussi son humanité. Et c'est un sujet, moi, qui me passionne aussi depuis pas mal d'années. Le premier livre que j'ai lu sur le développement personnel, c'était Jonathan Livingstone, Le Goéland. Je devais avoir une quinzaine d'années à peu près à l'époque. Et c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. D'ailleurs, quand j'ai fait mon premier blog, c'était pas un blog de jardinage, mais c'était un blog sur l'épanouissement personnel. C'est un blog qui existe toujours, d'ailleurs, qui s'appelle épanouissementpersonnel.blog50.com et sur lequel je partage des informations sur les livres que j'ai lus. Alors ça peut être soit un extrait du livre, soit un résumé du livre, ou mon avis sur tel ou tel ouvrage d'épanouissement personnel, de développement personnel que j'ai lu, ou des livres de santé, de bien-être. Et puis, j'ai aussi le site Katisa Édition, katisa-édition.com, sur lequel, avec Cathy, on publie des articles pour mieux vivre, pour être bien, que ce soit dans sa tête, dans son corps ou dans son esprit. Mais c'est jusque maintenant, ça a toujours été des entités séparées par rapport au blog Écolo Bio Nature ou pour Cathy, par rapport à ses blogs de cuisine. Alors, pourquoi est-ce que c'était séparé? On ne sait pas vraiment, en fait c'était plus pratique comme ça. Et là, eh bien, j'ai décidé de regrouper un peu tout ça. Et puis la meilleure façon de regrouper ces trois entités différentes, eh bien, c'était de faire des petites vidéos au coin du feu où on va non pas parler de jardinage, mais plutôt de bien-être, de mieux vivre, de comment être mieux dans sa tête, dans son corps ou dans son environnement. Alors si ce type de vidéo vous intéresse, eh bien mettez un j'aime, n'hésitez pas à partager et si je vois que le sujet peut vous intéresser, eh bien je ferai régulièrement ce type de vidéo. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à bientôt.